Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Volcanoïde. J'avais pas fait beaucoup de sessions ces derniers temps, j'en ai fait qu'une il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'y reviens, je vérifie juste que j'ai de la place sur le disque dur parce que changement de PC, j'ai plus les mêmes paramètres. Normalement le son est bon et j'ai une putain de mouche qui est en train de me faire péter un plomb. C'est pas grave. Bon, passons. Donc Volcanoïde, jeu de survie comme d'habitude, on reprend où on en était. Je vais essayer de faire plusieurs sessions d'affilée. Farm, combat, etc. Avancer dans le jeu. Je vais essayer de pas trop m'étendre, enfin de pas trop farmer entre les épisodes, tout simplement parce que j'ai pas trop le temps non plus. Ok, c'est rien, c'est ma webcam qui déconne. Ouais, c'est elle qui déconne. Je me fais pas sur l'autre ça, genre, les joies d'avoir deux PC. La mouche casse-toi de mon micro. Et pourquoi j'ai pas de son en fait? Qu'est-ce que c'est cette merde encore? Attendez. Ça va faire du bruit du son Windows. Eh, je l'ai. Voilà. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Volcanoid, c'est un jeu de survie, ambiance, ben, vous l'avez devant les yeux. Steampunk, robot et volcan. Clairement, il n'y a pas mieux. En plus, surtout, c'est un jeu qui. Je vais être sincère, il n'est pas cher du tout, il n'est pas gourmand. Donc, beaucoup de machines de base, je pense, peuvent le lancer, faut le voir sur Steam. Et surtout, un bon point, il n'est pas sur l'Epic Game Store. Pourquoi? J'ai une haine contre ce truc. Mais c'est viscéral. Quand on installe une application, enfin un jeu sur Steam, on peut mettre le PC en pause, on peut éteindre l'écran. Pas là. Parce que moi, quand je fais une installation de. Allez, mettons, là j'ai la PS4 qui vient d'arriver, je dois installer The Last of Us Part 2. 95 Go. Donc, je vais allumer la PS4, je vais brancher l'écran, je vais éteindre l'écran. Sur ordi portable, je fais pareil. Comme ça fait une économie d'énergie. Le problème, c'est qu'avec l'Epic Game Store, quand il y a une installation, ça fout la merde parce que. Parce que je sais plus quoi. Oui, parce qu'il y a une actualisation de je sais pas quoi, de merde dessus. Bon, bref, je mets le jeu en pause juste 5 secondes, je reviens, le temps de vérifier que mon son soit bon et que ma voix ne sature pas parce que les voyants OBS sont dans le rouge. Voilà, re. Donc j'ai fait de la place. Enfin, je suis en train de faire de la place sur le disque dur. Voilà. Comme ça, j'ai du RAB parce que je tourne des épisodes d'avance. Ouais, 71 Go de RAB, ça va, à coup de 4 ou 5 Go par épisode. Ça me permet d'avoir un peu de RAB. Donc, objectif, on va y arriver, cette fois, farm. Donc, je vais quitter cette zone. Je vais revenir en arrière parce que si je ne m'abuse, je suis une buse, mais je m'abuse. Pour. C'est mes munitions, voilà, c'est ça que je cherche. C'est eux, il me faut du. Bah, des tubes en titane, merde, c'est là, faut que je reste là. Tant pis! Loupé! Bon, bah, il faut du titane. Je voulais aller farmer dans l'autre zone, mais c'est loupé. Donc, il va falloir que je trouve la mine de titane et que j'aille farmer ça. Bah, j'ai plus de place, parfait. Ah bah, 50 titane. J'ai plus de place dans l'inventaire, bah, je suis obligé de remonter. Loupé! Bon, tant pis. En plus, je crois que j'ai une mine de titane qui est pas loin. Ou au pire, j'envoie. Je peux aller me balader et j'envoie la forêt dans le sol aussi, c'est possible, hein. Ce serait pas la première fois que je le fais. C'est un moyen de garder la forêt en sécurité et ça marche. Par contre, les traces de l'attaque là, c'est pas la peine. Donc oui, au cas où, il est possible aussi que vous entendiez un petit souffle pendant l'épisode. C'est parce que j'ai un petit ventilateur qui est activé, c'est-à-dire que je suis en train un peu de mourir de chaud dans le studio là. Là où je tourne, je l'appelle ça le studio mais après c'est à vous de voir. Mais en gros, pour vous expliquer, je tourne sous un toit. J'ai une pièce sympathique. Mais je suis sous un toit, c'est ça le problème. Et ça chauffe. Et putain, ça refroidit pas. Ces maisons de campagne, c'est bien, mais il y a des défauts quand même. C'est les joies de vivre à la campagne. Ah, 40 trucs. 20 trucs, ça suffira. 40. 40, c'est bien. C'est le bordel dans l'inventaire. Tout va bien. Ok. Donc là, on est bon, on est bon, on est bon. Il me faut la carte. Avant de descendre, il me faut juste la carte. À la surface, merci. La mine de diamant est là. Pas de mine de. Merde. Veine de diamant, secteur d'opération de dépôt, la mine de diamant. Ok, ça va être complexe là. Coal mine. Oh, il y a une coal mine. Il faut que j'aille à Lake View. Ok, Lake View. Final 1, Lake View. Donc, ok, je vois le chemin. Ben, en bas.
Donc pour Lakeview, il faut que je descende par là, que je passe à côté de ça et que je remonte ici. Parce que j'ai plus de charbon, j'ai quasiment plus de charbon. C'est la dèche. Je dois avoir mes comptes de charbon quelque part, je crois. Je peux pas changer ça? Ah si. Non, c'est pas ça que je veux. Tu vas mettre mes comptes de minerai. Charbon. Hop, hop. Et on va mettre du soufre. Tiens, parce que du soufre. 155 charbon, ça fait short, je trouve. Moi, il m'en faut au moins 200 pour me sentir safe. 72, ouais, c'est bien, mais là, je peux faire quelque chose par contre. Ah, mais non, je peux rien faire en fait. Je suis con. Je suis con parce que je vais pas la garder là. Donc, oui. Donc, on a dit par ici, on prend le diamant tant qu'on y est. Je cuis un peu, mais ça va, j'ai du rab. Donc oui, clairement, c'est un bon petit jeu. Là, je vais être sincère, je vais avoir du mal à expliquer le fonctionnement du jeu de base, parce qu'il est très complexe comme jeu. Ah, c'est Coxil, tout va bien. J'ai eu peur, parce que si je dois me friter avec ça pour monter, ça va foutre mal. Donc de toute façon, je la mettrai à l'abri en dessous, puisque la mine de charbon est pas très loin. Allez, on monte. Voilà, et juste au-dessus, c'est parfait. Et normalement, je crois qu'il y a même ce qu'il faut. Non, c'est bien qu'ils aient foutu ça. Non, le jeu est vraiment bien foutu. Il est mis à jour très régulièrement, donc c'est plutôt agréable, ça aussi. Il y a beaucoup de points très agréables. Et surtout, il est pas moche pour un jeu à quelque chose comme 10 balles. Il est vraiment pas moche. C'est vraiment un bon petit jeu sympathique qui propose beaucoup de bon temps. Donc, si jamais vous cherchez un petit jeu de survie avec une bonne ambiance, clairement, moi, je vous conseillerais celui-ci. Après, ça dépend de vos goûts, on est d'accord. Tout jeu de survie, ça dépend de vos goûts. Si vous aimez le jeu de survie, prenez celui-là si vous voulez. Mais je vous impose rien. Ça, je veux pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, clairement, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de vous présenter quelques trucs. Et si jamais ça vous plaît, bah, tant mieux, on va dire. Oh, cette foreuse. Je trouve ça tellement classe. Attends, elle est où l'entrée? Ah oui, elle est là. Tellement grande que je m'y perds. On voit de la forêt sous terre. Oups, oups, oups. Ça va être short parce que je suis très très mal placé. Je suis pile entre trois grosses foreuses. Ça va être complexe. Cours, 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 cours. Faut que je me planque. Il y en a. Ah, je peux pas passer, au secours. Évite les balles, évite les balles. C'était un peu short ça. Je les vois les enfoirés. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette bande d'enflure qui va essayer de m'empêcher de monter. Ah d'accord, ils sont juste barrés. Ok, bah, très bien. Très très bien. Non, je suis pas là, barrez-vous. Hop là, nananère, je suis parti. Vous ne m'aurez pas. D'ailleurs, si jamais vous débutez Volcanoid, sachez que régulièrement vous trouverez ce genre de truc. Ça va vous permettre de crafter pas mal de petites choses. Donc, si vous avez du soufre, là vous vous présentez ici. Vous donnez votre. Il faut l'avoir dans l'inventaire par contre. Hop, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je peux crafter des lingots de cuivre tout simplement. Prendre objet, et voilà. Et donc, j'ai récupéré deux lingots de cuivre. C'est tout con, hein? Mais je trouve l'idée très sympathique. Quand j'ai commencé, c'était pas tout à fait ça. Il manquait encore que. Enfin, il y avait pas ça, tout simplement. Mais c'est vrai que quand on a un atelier comme ça qui est quasiment gratuit, ça sauve. Ça sauve vraiment. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été rajoutées assez récemment, qui sont très sympathiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités dans le jeu. Donc, c'est vraiment un jeu vachement agréable.
ressources de base, donc comme vous les avez vues sur la map tout à l'heure, je crois. Donc vous avez le titane et le diamant qui sont les dernières ressources, cristal et fer qui sont les ressources de niveau 2, et les niveaux 1 c'est charbon et soufre. Chaque ressource va vous permettre de crafter ce que vous voulez, donc armes, pièces pour la foreuse, amélioration de foreuse, etc. etc. Pour obtenir des améliorations de foreuse, soit on les recherche en explorant, etc. Soit on bute une autre foreuse et on récupère du matos à l'intérieur. Et là, effectivement, quand on bute une foreuse, il y a du gros gros matos. Le problème, c'est qu'il faut arriver à rester en vie, parce qu'il y a certaines foreuses qui sont assez complexes. La foreuse jaune que vous voyez sur l'écran, c'est l'espèce de logo jaune, c'est une foreuse, même la foreuse de niveau max. Je la passe pas encore. Déjà, j'ai pas le niveau et j'ai pas le matos, j'ai l'impression. C'est pour ça que je suis en train de farmer pour avoir déjà du charbon de base et après pour partir sur du mortier, mortier amélioré. Parce que la Gatling c'est bien, mais ça fait pas assez le taf. Et je ne joue pas par contre avec les sauvegardes. Enfin, je joue avec les sauvegardes encore, pardon. Je ne joue pas avec le respawn, je trouve ça un peu short. De partir sans matos, aller récupérer du respawn, je sais c'est une erreur de ma part, je devrais en avoir dans la foreuse, mais non, je préfère jouer à la sauvegarde comme avant, comme au tout début. Voilà, donc ça c'est un établi aussi, je reviens là-dessus, qui vous permet de crafter des pièces le pièce qu'il vous faut. C'est un truc de base, c'est vraiment l'équipement de base, mais ça marche. Et le lit, bah, il sert toujours à rien. Enfin, apparemment, il sert à rien pour l'instant. Je sais pas trop à quoi il sert. Enfin, à part à quitter le jeu, je vois pas trop à quoi il sert. J'ai l'impression d'être petit, c'est moi ou... Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Allez, viens là mon poulet. Viens là mon poulet. Non? J'ai commencé à être short au niveau munitions. Surtout si j'utilise comme un pied. Merci. Je récupère tout le matos qu'il y a dessus parce que bah, il rapporte du pognon les machins. Enfin, il rapporte. Il y a du matos sur ces saloperies. Donc ces robots, on appelle ça des. Bah, si vous connaissez pas le jeu, bien sûr, ce sont des cogs. Des espèces de saloperies qui foutent un bordel monstre sur l'île. C'est à cause d'eux justement que l'île est devenue totalement inhabitable. Et notre but à nous, c'est d'enquêter là-dessus. Et de survivre surtout à cette zone de ces morts. Là, il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai une tourelle qui me surveille à droite. J'ai des cogs à gauche et une foreuse à gauche. Bon, bah autant se casser assez vite et essayer de trouver un autre point de spawn pour récupérer notre foreuse. On se balade à pied pour une fois, ça change. Donc voilà, l'environnement est propre, l'environnement est très très propre. Là, j'ai pas les ressources pour démonter la foreuse. Je pourrais la démonter, mais avec 20 trucs, c'est un peu short. 21. Je crois que j'étais jamais venu par là en plus. Prenons la pioche. Donc c'est une espèce de jeu de survie un peu. Un peu comme Ark, mais en version robot steampunk quoi. Je le définirais comme ça. Mais ça, il sent dinosaure bien sûr. Du titane, c'est gratuit. Bon, après, il manque des trucs, bien sûr. C'est un jeu en version en accès anticipé, mais c'est un très très bon jeu. Et d'ailleurs, je dois te saluer The Fire Dragon. Si je me. Non, je me plante pas de pseudo pour une fois. Parce que tu m'as donné de bons conseils sur le jeu et je t'en remercie. Donc, oui, il y a de gros 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 joueurs du jeu sur le jeu. Et que voilà, moi je suis pas un gros joueur, je découvre encore une partie du jeu.
Enfin, j'en profite, hein. Moi je récupère du merdier. Dommage. Grosse chaudière. Du titane, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. J'ai 12 minutes pour trouver un point de spawn libre pour ma foreuse. Est-ce que j'ai accès à la map? Oui, j'ai accès à la map. Ouais, donc là, faut que j'aille par là et par là. The Woodland, et ok, je remonte vers le phare. Oh, une mine de titane, c'est exactement ce qu'il me fallait, parfait. Et j'ai combien de... 20, 40, ouais c'est bon, je suis au-delà des 200, donc tout va bien. Bon, j'ai quelques pics de lag par contre, mais ça vient de mon PC. Allez savoir pourquoi ce PC, sur celui-là, uniquement celui-là, j'ai des pics de lag. Alors que sur l'autre, j'ai exactement les mêmes performances. Je sais pas, il y a des couilles avec Windows 10, c'est une sainte horreur, j'ai une sainte horreur de ce machin. Donc oui, les pics de lag, c'est pas vous, hein, c'est chez moi aussi. Je vais juste agrandir OBS pour avoir un bon retour. Voilà, parfait. Et là, là par exemple, quand je mets OBS, pas en plein écran, mais pas loin. Et merde. Je perds la luminosité sur l'écran d'OBS. Minutes pour trouver un point de spawn, ça va faire short. Ou alors je vais devoir braquer en urgence une forêt cogs, me barrer dedans. Voilà. Donc ouais, bah, je déraille un petit peu moi, cette heure-ci après tout. Oui, à voir. J'essaie de me concentrer aussi sur le jeu au passage. J'ai pas beaucoup de munitions, alors barrez-vous. Barrez-vous. Heureusement, j'ai des grenades. Une transmission, ça c'est du bonus. Tube en titane. Ah merde, j'ai plus de place. Fuck. Ah, ça va être compliqué, donc... Est-ce que je peux jeter des trucs ou pas? Oui. Le problème, c'est quoi jeter? Bah ça, je peux en craft rapidement pour pas grand-chose. Tac, 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 tac. Ça, il faut que je garde, c'est trop précieux. Deux grenades. Et tant qu'on y est. Deux lingots de fer. On se heal. Bon, il y a, voilà, dans les améliorations que j'aime, c'est même pas réellement des améliorations, mais je sais pas, mais avoir un peu plus de structure aléatoire, on peut dire, sur la map. Du style, pouvoir entrer, par exemple, dans certaines maisons, voir un peu ce qu'il y avait dedans, je sais pas, des trucs comme ça. Des trucs de base, mais quelques trucs. Allez, 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 évite les balles, évite les balles, évite les balles, évite les balles, oui, ça passe. Un peu short, mais ça passe. Oh, je peux appeler ma forêt ici. Remonte, choupette. Reviens. Reviens pour papa. C'était un petit peu short tout ça, mais ça s'est bien passé finalement. Donc là, je défendrai un peu la forêt, parce que je crois qu'il y a pas mal... de choses à côté. C'est parfait là. En vrai, pour les améliorations, à part, je sais pas, avoir plus de petits trucs sur la map, pas grand chose. Hein. Vraiment, moi, il me faudrait pas grand chose. Le jeu est déjà très très bien. Il y a beaucoup de contenu qui est déjà sur le jeu pour 10€. Clairement, là, j'en suis à combien d'heures? J'en suis à 21h et je suis loin d'avoir fini le jeu. Après, il y a des trucs que j'ai rushés, il y a des trucs où j'ai fait vite, je suis en normal. Et là, ça devient short. Là, il faut vraiment farmer.
Je suis pas encore au bout de mes peines, comme on dit. Parce qu'il faut, en gros, ce que vous avez à gérer dans la foreuse, c'est les modules que vous voyez ici, tourelles, etc. Le noyau de la foreuse, en gros le cerveau moteur, on va dire, de la foreuse, peut supporter qu'un certain nombre de modules. Si vous en avez trop, ça, il y en a certains qui ne fonctionneront pas. Après, il faut aussi gérer l'énergie, le stockage dans la foreuse, sachant qu'il faut beaucoup de matériaux. À partir d'un moment, il faut beaucoup, beaucoup de matos. Hop, là, j'essaye de centraliser un peu toutes les ressources que j'ai ramassées. On va raffiner ce qu'on peut. Hop, 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 hop. Hop. Donc, je vais avoir besoin de mes obus, merci. De mes grenades. La forêt subit des dégâts, c'est en train de m'attaquer par derrière. Mais heureusement, j'ai mis des tourelles. En fait, pour moi, le plus important arrivé ici, c'est quand même les tourelles. Il en faut beaucoup. Il en faut vraiment beaucoup parce qu'il n'y a pas de tier 2 de tourelles. Et ah, bah oui, bah si. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de tier 2 de tourelles. Il doit y en avoir, hein, mais je ne sais pas encore où. D'ailleurs, The Fire Dragon, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire où est-ce qu'il y a, enfin, s'il y a des tiers 2 de tourelles. J'avoue que ça m'intéresse. Le placement est pas mal. Ah si, peut-être quelques décos. Des décos à la con, mais pas grand-chose. Du style une barrière. Là, je verrais bien une barrière métallique. Je sais pas, deux, trois conneries. Ce serait bien d'avoir deux, trois trucs comme ça en plus. Non, le jeu après est très bien. Il y a vraiment... Là, c'est ce que je sors, c'est du fignolage, c'est de la connerie. Le jeu est stable, le jeu est propre. Moi, j'ai rien à lui reprocher, donc ouais, non, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Combien il y a de morceaux de machin? Oh, putain, 105. Ok, ça va être lent. Est-ce que je peux? À 100, je m'arrête. 95, je m'arrête. Ça, c'est les tourelles que vous entendez tirer. Les poc poc poc, à part le poc poc de ma souris. Ah! Mes tourelles font le taf, mais elles prennent du dégât et donc faut surveiller aussi la santé du merdier. J'avais la jambe qui grattait, c'est pas agréable. Et bien sûr, faut gérer le tout avec brio, puisque toutes les 25 minutes, comme vous le voyez en haut, vous avez une éruption volcanique. C'est environnement hostile. C'est un environnement très hostile même. Donc ouais, non, ben voilà. J'essaye de faire un peu récap pendant que je farm, mais c'est un peu compliqué. Parce que j'ai pas un très très gros niveau sur ce jeu, comme vous l'avez, comme je vous l'ai dit, hein, 20 heures de jeu. Vous n'avez pas loupé beaucoup de sessions. Vous n'avez pas loupé grand chose au jeu. Enfin, de ce que j'ai fermé de mon côté, quoi. Oh, tiens, diamant. Hop. On va faire un peu de rangement au passage, pendant que je lance du raffinage un peu partout. Là, il y en a 95. Là, off, c'est très bien. Station de recherche, j'en ai pas besoin. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Oui, j'en ai mis dedans. Deux, trois endroits comme ça. Donc, il me faut. Il est où? Où qu'il est? Ah oui, je pourrais le passer en automatique, c'est vrai. Faudrait que j'essaye. On va essayer, tiens. Oh, ils font chier ces trucs. Équipement, c'est. Production automatique, c'est un raffinage automatique que je veux. Ah merde, c'est une fenêtre. Oui, j'essaie de sortir par la fenêtre. On n'a pas le moyen. Après, si. Ah, si par contre, un truc qui serait pour moi très important à rajouter sur le jeu, ça y est, ça me revient. C'est moyen d'avoir deux armes dans l'inventaire et je me fais bouffer par une mouche. Putain, elle vient de me piquer la saloperie. C'est une mouche, hein, c'est une petite mouche noire. Ça doit sentir l'orage, je sais pas. C'est une légende urbaine, enfin une légende campagnarde, c'est que quand les mouches sentent l'orage, elles vous piquent. C'est une vraie saloperie. Donc bref, en fait, un moyen de changer d'arme, parce que là, aux dernières nouvelles, quand j'ai fait mes essais, il y a une espèce de glitch qui empêche le changement d'arme. Donc là, si je prends ça, par exemple, hop, voilà. Hop, hop. Et j'appuie sur Z, hein. C'est tout. Sachant que c'est ma touche pour avancer, donc c'est un peu gênant. Et là, si je tire, hop. Ah non, c'est nouveau, ça tient. C'est nouveau. On peut vraiment le faire? On va voir. Tir secondaire, recharger, main vide.
Clé anglaise, ok, pioche, arme à feu, alpha 3, medikit, outils divers. Alpha 6, ok, emplacement de la barre d'outils. Objet suivant, objet précédent, piloté vers la gauche. Ah, ouais. Ok. Ouais, voir. Sauvegarder. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Oh, c'est génial. Oh, ça, c'est génial, ça. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est le meilleur ajout qu'ils ont fait. Parce qu'avant, c'était foireux. Effectivement, j'avais pas vu que mon Z était dessus. Ou alors, ça y était peut-être. J'en ai pas la moindre idée. Donc, oui, mon truc a du craft. Et prochain épisode, bah, maintenant que je sais que je peux attaquer, bah, prochain épisode, on attaque direct. Oh, mais que c'est les couilles, les cogs, là, vous faites chier. Donc, menu, je veux raffiner du titane. Lingot de titane, c'est fait. Donc, on raffine du titane. Ok. On. Ça marche ou pas? Que ça marche. 175. Je sais pas trop si ça marche. Bon, ben en attendant, on commence l'automatisation. Ah, mais j'en ai un là, merde. Oups. Tant pis. Donc, prochain épisode, ben, maintenant que je peux automatiser, donc ce sera farming de ressources pour avoir des munitions. Et une fois que j'ai les munitions, et maintenant que je sais que je peux changer d'arme, on part se friter avec toutes les foreuses qu'on croise. Parce que je commence à avoir quelques munitions, j'en ai pas beaucoup beaucoup, mais je commence à avoir quelques munitions. Donc là, ça pourrait commencer à être pas mal. Il va me falloir des munitions pour mortier, ça va être important. Les grenades, c'est intéressant, mais sans plus. Oui, je sais, ma choupette. J'appelle ma foreuse choupette. Et alors? Je manque un petit poilounet de vie, mais c'est pas plus grave que ça. Donc ça va, ça passe. Hop, ça c'est toujours rentable. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je vous peux rajouter de plus? Non, pas grand-chose, hein, je pense. Ouais, donc oui, une fois que j'aurai les munitions, assez de munitions, de mortier, c'est le mortier qui me manque. On pourra se friter avec les foreuses, même la foreuse niveau 4 s'il faut. Voilà, donc ouais, bah en fait, clairement, donc je reviens au passage pour terminer, à rajouter au jeu rien en fait. Par 2-3 broutilles qui seraient plus dignes du détail qu'autre chose, mais ce sera tout. Donc, comme à chaque épisode, on commence par une éruption, on va s'arrêter là, donc rendez-vous pour un prochain épisode. Des bisous, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, voire carrément l'abonnement, si vous voulez plus de volcanoïdes. Maintenant, malgré mon boulot que j'ai, qui va me donner un peu plus de vidéos à faire en avance, je vais essayer d'en faire, je vais essayer de faire régulièrement du volcanoïde. Sachant que c'est un épisode de 25 minutes, donc pour moi ça devrait pas poser trop de problèmes. Moins que sur d'autres jeux, comme Sea of Thieves. D'ailleurs, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à aller checker les autres jeux. Il y a beaucoup de jeux, du survie, comme Ark, avec une nouvelle aventure qui, je pense, a dû arriver depuis peu, ou va bientôt arriver, sur la map Crystal, je crois qu'elle s'appelle. Mais il faut que je mette à jour et ce sera pas pour tout de suite, tout de suite. Surtout que là, c'est 25 minutes de chargement pour lancer le jeu. Merci le mode. Après, bah oui, aussi je reviens juste là-dessus vite fait. J'ai effectivement un boulot qui commence ici, peu de temps. Donc je tourne, on est le 27 juin, donc début juillet, fin juin, début juillet, d'ici quelques jours. Je travaille, donc mon rythme de vidéo sera peut-être... Moi, ce sera pas plus hasardeux que ça. Mais les épisodes seront tournés en avance. Là, j'essaye d'avoir 2 mois d'épisodes en 2 jours. Enfin, plus ou moins ça près. Sachant que j'ai déjà plus d'un mois d'avance, donc voilà. À part des jeux avec les grosses mises à jour, je ferai des épisodes en temps réel. Il y aura beaucoup d'épisodes tournés en avance. C'est la seule chose qui va différencier pour vous, donc je pourrais peut-être pas appliquer vos conseils d'un épisode à l'autre. En attendant, bah, je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. On va se donner rendez-vous pour un prochain épisode. À la prochaine, c'était Revanche 1000.